Seulement deux expressions pour vous aider, pour nous aider. C'est quoi une soupe au lait? Vas-y, remets ça dans un... Dis une phrase avec soupe au lait, parce que je connais, mais j'ai besoin de... Le plein soupe au lait, c'est Diallo. Non. Alors. Il est un peu soupe au lait ce matin. Voilà. Non, mais il est un peu soupe au lait, non. Non. Ses filles étaient soupe au lait. Oui, certaines personnes ont un caractère soupe au lait, quoi. Voilà, c'est des gens qui sont pas de bonne humeur, qui sont... qui ont pas un bon caractère, qui sont un peu... Tu vois, c'est négatif en tout cas. Ouais, qui ont une tendance à s'emporter brutalement ou qui changent rapidement de voilà, qui passent du chaud au froid. Hein, donc, soupe au lait. En 30 secondes. Hein, soupe au lait. C'est des soupes au lait, c'est-à-dire que c'est un sacré mélange, quoi. C'est ça. Voilà. Un fausse mélange, quoi. Soupe au lait. On vous dit toujours, hein, pour parler ivoirien, tu peux critiquer quelqu'un, il a arrêté, puis il va rien comprendre. Ah. Voilà. Soupe aux lèvres. Non, soupe aux lèvres. Espèce de soupe aux lèvres. Oui. Non, soupe pas du tout. On dit mais pas mais ça. Mais je suis pas une soupe aux lèvres. Et ça donc, tu vas comprendre. Bon, un train de sénateur. Hein? Un train de sénateur. C'est quand tu as un train de vie aisé, non? C'est pas ça? On en est bien loin. Ah, mais mince, pardon. Ah, voilà. Les gens aiment les grosses mots. Ça échappe, oui. Un train de sénateur, eh ben, c'est pour qualifier une démarche lente, grave et majestueuse. Ah. Quelqu'un qui prend son temps, quoi. Parce qu'un sénateur, c'est vrai que ça... Ouais. Implicitement, ouais. On voit quelqu'un de majestueux. Ah, aux États-Unis, un sénateur, c'est un potentiel président exactement. De la République. Exactement. Yeah. Voilà. Bon. C'est pas le sénateur de les... Ah bon? C'est le sénateur. Le sénateur de où? Je dis aux États-Unis, un sénateur, c'est un potentiel président. C'est pas le sénateur de quoi? Sénateur de Bangladesh. Ah, pas là-bas. Ah, ok. Il y a quoi au Bangladesh? C'est Bangladeshi. Tu fais ton visa? Sri Lanka. Ton visa? FOD. Il dit quoi? Ti. FOD. Pour toi là, ouais. On va pas te détourner, on va te troller même. Bon, allez, on reprend ces deux expressions. Donc, soupe au lait, c'est pour qualifier quelqu'un qui change rapidement de caractère ou qui s'emporte brutalement. Et un train de sénateur, eh ben, c'est une démarche lente, grave et majestueuse. C'est que Nigeria est un sénateur. Ah oui, sénateur. Et alors fédéral. Ils voilà. Sont comment? Ils sont majestueux, voilà. Ou ils sont. Comme ils sont gaspillants. Ils sont balafrés.